Les César 2021 font couler beaucoup d'encre depuis quelques jours. Plusieurs personnes ont notamment réagi à la cérémonie à elle, Insta Day, Isabelle Adjani. En effet, cette dernière donne son avis sur le sujet lors de son entretien avec Madame Figaro. À en croire ses dires, il semble que celle-ci est adressée indirectement à Corinne Maziero. C'est ce qu'elle fait pendant le confinement le jeudi 8 avril 2021, Isabelle Adjani accepte de se faire interviewer par Madame Figaro. Durant son entretien, elle, actrice, évoque plusieurs sujets, dont ce qu'elle a fait pendant le confinement. L'actrice francaise Isabelle Adjani. Photo, Getty Images. Après ses propos, la sexagénaire a fait que lire et regarder la télévision pendant elle, isolement. Elle a aussi révélé deux de ses émissions préférées qui ne sont autres que Degré de Voice. Isabelle Adjani a aussi beaucoup regardé des séries, plus ou moins. Elle, actrice, a notamment avoué que pour elle, Degré le confinement ce n'est pas du temps libre, c'est du temps mort, plus ou moins elle envie les personnes qui ont eu la comme idée Isabelle Adjani période pour changer ou pour créer de nouvelles choses. Photo, Getty Images. Ses commentaires sur les Césars durant cette interview avec Madame Figaro, Isabelle Adjani a aussi en entendant ses propos, sur le sujet, il semble que elle, actrice, à la cérémonie de César, l'actrice Corinne Maziero pose lors d'une séance de portrait le 17 mai 2015 sur Cal. Photo, Getty Images. Isabelle Adjani a, en effet, dit, je suis de cul lors d'une interview avec Gala, la principale concerne à évoque la réaction de son compagnon lorsqu'il a vu elle, actrice, se mettre toute nue en public. La défense de la libère de notre créativité, pas celle d'augmenter son dé, après ses dires, cela a pas dit Nicolas Gras, cette performance de Corinne Maziero pour les uns. Au contraire, il avait soutenu son geste. L'actrice française Corinne Maziero pose lors d'un photocall pour le film Louise Ouimet au 11e Festival International du Film de Marrakech, le 8 décembre 2011 à Marrakech, au Maroc. Photo, Getty Images.